Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Coucou de famille. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau haul du site Shein. Pardon. On va commencer sans tarder. Alors, premièrement, alors, j'ai pris ce pyjama pour ma fille, pour la petite, bien sûr. Regardez-moi ça, comme il est beau. Après, je vous mettrai leur photo quelque part, par ici. Alors, elle est comme ça, avec un petit panda ici, et le pantalon, il est comme ça, vous voyez, hop, voilà, et les pieds en dessous, plein de petits pandas, tout magnifique, voilà, j'ai pris celui-là, normalement, il y a un autre qui lui ressemble, mais il est un peu dans le ton foncé, je dirais. Bon, ben quand je mettrai ma main dessus, je suis par rapport à ce qui me tombe sur la main. En fait, je vous montre ce qui me tombe sur la main. Ok, on va faire comme ça. Après, il y a cette doudoune. J'ai pris, c'est pour ma fille. C'est la collection Bob l'éponge, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Bob l'éponge. Vous voyez comme elle est? Franchement, elle est super bien. Et elle est toute chaude. Elle est rembourrée, un truc de fou. Et ma fille elle a trop aimé. Vous voyez, c'est marqué SP, ça veut dire SpongeBob. Hop, voilà l'étiquette. Parce qu'ils ont fait en fait plein de. Ils ont fait plein de trucs avec plusieurs marques et plusieurs. Vous voyez, c'est des partenariats. Voilà, des partenariats avec diverses. Marque divers trucs, surtout les dessins animés, j'ai vu ça, je suis trop, il n'y a pas, j'ai vu ça, j'ai dit ok, on prend, pas de soucis. Après, j'ai pris ce pull-ci, toujours pour ma fille, franchement, ils ont les pulls et tout, c'est un truc de fou, ils sont trop magnifiques, trop mignons, trop mimi. Il est comme ça, vous voyez, il est ouvert là, vous voyez, hop, non mais regardez-moi ça, franchement, pour les enfants. C'est la classe. Moi, j'aime bien. J'essaie de le prendre plusieurs couleurs. De lui varier un peu. Elle, de toute façon, tout ce que je lui prends, elle aime bien. Dis maman, c'est joli. Vous voyez, quand ils sont petits, c'est tout mignon. Tout... On a envie de les habiller comme des petites poupées. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces trois suites, on va dire. Oui, c'est des suites. Ce sont manches longues. Vous voyez, il n'y a rien dessus. En fait, j'ai fait exprès de les prendre sans motif. Parce qu'en fait, je les customisais moi-même avec ma machine. Parce que je fabrique et je customise des pulls, des t-shirts, ça soit des portefeuilles, des tote bags. Du coup, j'ai pris comme ça, tout simple, sans rien, sans motif. Vous voyez, les trois, pareil, mais... couleurs différentes mais sans motif comme ça, c'est pour qu'après moi je vais les personnaliser pour ma fille à mes goûts ou à ses goûts comme elle veut. Voilà, j'en ai pris trois comme ça, ils sont par trois de toute façon, il y a les mêmes trois comme ça mais ils sont déjà personnalisés et des motifs dessus. Je voulais pas les prendre, je voulais prendre tout simple sans rien dessus, comme ça je les personnalise moi. Comme ça, ils seront uniques. Voilà. Comme ça, voilà. Ma fille, elle sera contente. Ensuite, ah, voilà. Il est là, le pyjama. J'avais pris le pyjama, comme je vous ai dit, l'autre. Et celui-là, il est comme ça aussi, le haut. Mais le bas, vous voyez, il est rayé noir. Toujours avec des pandas tout mignons de partout, là. Voilà. Ça, c'est le pyjama. Ma fille aussi. Hop. On va les plier. Des fois, je les jette comme ça. Je le trouve à ramasser partout là. Voilà, ça c'est pour les pyjamas. Après, toujours dans le thème Bob l'éponge. Parce que franchement, il y en a de toutes les sortes. J'aime bien mon Bob l'éponge. Ma fille aussi. Du coup, vous voyez. J'ai pris un gilet. Regardez-moi ça, comme il est tout doux, tout doux.
tout m'a trouvé de fou. Regardez-moi ça. Hop. C'est brodé, hein. Celui-là, il est tout brodé. Voilà. Et derrière, ben, il est sans comme ça. Voilà. Ça, c'est un gilet Bob l'éponge. Et tout magnifique. Et quand il va commencer à faire un petit peu chaud et tout, bah, on met juste un petit gilet sur son t-shirt, un peu comme ça. Et voilà, tout va bien. Ensuite, on va continuer. Toujours pour ma fille, parce que je sais pas fait. Pour mes filles, en fait, pour les grandes, elles ont déjà pris tout leur truc. Ils ne nous ont même pas laissé là pour que je puisse faire la vidéo avec. Du coup, voilà. Je fais avec ce que j'ai, parce que pour mes grandes, elles ont déjà pris toutes leurs affaires. Alors là, j'ai pris un ensemble. Vous voyez? Il y a ça aussi. Tout ce qui est Bugs Bunny, trucs comme ça. Ça, c'est le bas de jogging. Et ça, c'est le haut. Vous voyez? Le haut et derrière, c'est simple. Et là, vous voyez, sur le... il y a une petite fleur toute brodée sur un côté. Hop. Ensuite, on va se dépêcher. Toujours pour ma fille. Là, c'est un pyjama panda encore. Mais vous voyez, tout rose comme ça. Mignon, oui. Et le pantalon pareil, plein de pandas de partout. Comme je vous le disais avant dans mes autres vidéos, quand vous cherchez quelque chose de précis, genre je cherche des vêtements ou des trucs comme ça, ou des objets, allez, je cherche des renards, bon bah je marque, j'écris renard sur le truc de recherche de Shein. Il va vous sortir tout ce qui... enfin, où il y a du renard dessus. Que ce soit vêtements, objets, statues, des trucs comme ça, ou des cadres. Il va vous sortir tout. Du coup, bah, tapez le nom. Si vous cherchez un truc précis, voilà. Tapez le nom et ça vous le trouve directement. Okay. Ah. Encore. Pareil, toujours dans le thème Bob l'éponge, cette fois une veste un peu plus légère, l'autre c'était une doudoune, là c'est une veste. Hop, regardez-moi ça, rose, des fleurs, capuche, Bob l'éponge, et hop, le Bob l'éponge derrière ça, avec Gary, oui, son escargot, voilà, ça. Et les prix, franchement, ça vaut le coup. Comme je dis, il y a toujours les promos. Et essayez pas de dépasser 178 si vous voulez pas payer des frais. Parce que franchement, c'est dommage de payer des frais alors que vous pouvez acheter quelque chose avec. Moi, je dis ça, mais en fait, moi, je le fais. Bref, mais moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à me faire 36 000 trucs. Je lui dis, allez, qu'un seul, et voilà. Sauf quand je dépasse les 99 articles. Bon, je suis obligée de faire une autre commande. Je finis ma commande de 99 articles. Hop, je la paye. Hop, je passe à l'autre. Je passe de favori. Hop, je les remets encore dans mon panier. Et je recommence ma commande. Voilà. Et j'ai pris un pull. On dirait pas Ladybug. Ça m'a fait penser directement. Ça, ma fille, elle a kiffé. Elle l'a vu. Elle m'a dit, ah, oh, c'est la coccinelle, c'est Ladybug. Du coup, voilà. J'ai trouvé ce pull qu'elle a trop aimé. Franchement. Les pulls comme ça pour les petites filles, il y a toutes les sorties. Ça part vite, c'est un truc de fou. J'avais mis plein de pulls dans mon panier. Quand je suis arrivée pour payer, bah, il y en avait plein qu'ils ont déjà en rupture de stock. Du coup, bah, j'ai pris vite ceux qui restaient. Et les autres, je les ai mis en favori comme ça. Quand ils sont au ressort, comme ça, je les prends. Voilà. Ensuite, on va continuer. Cette fois, c'est pour mon fils, pas le grand, l'autre, qui est juste en dessous. Ah, j'ai pris des jogging normal comme ça. Ça, il est noir. Le bas, il est noir. Hop. Après, le haut, il est jaune. Vous voyez comme il est. Et derrière, c'est un truc de manga. Voilà.
aussi style manga. J'aime bien. Et mon fils, lui, il est pas très dur à habiller. Il s'en fout. Tout lui va. Du coup, en plus, il n'aime pas les jeans. Alors, du coup, j'essaie d'éviter de lui acheter des jeans. Il n'aime pas les jeans parce que ça l'énerve à ouvrir, à fermer. Alors, ça, il n'y a rien à fermer. Voilà. Il est content. Il n'y a rien à fermer. Bref, voilà, on continue. Ensuite, j'ai pris cette ensemble. Au début, quand je l'ai vu sur le site, je voyais en fait juste un espèce de short. Et ensuite, maintenant en fait, c'est le short. Ok, vous voyez, c'est un short. Et regardez, il y a le pantalon qui est collé avec. Moi, j'ai cru qu'on peut l'enlever. Maintenant, vous voyez les leggings de sport là. Voilà, c'est le short avec le legging qui va avec. Et ça, c'est Bugs Bunny. Ah non, c'est pas Bugs Bunny. Ah, mais si, c'est les deux. Il y a Bugs Bunny et Daffy Duck. Sur le short, il y a Daffy Duck. Mais sur le haut, ce que j'avais vu, c'est pour ça que je lui ai dit, c'est Bugs Bunny. Ok. Et le haut, sa suite, avec capuche. Vous voyez, c'est Bugs Bunny. Voilà. Voilà, du coup, franchement, bah, mon fils l'a aimé, il m'a dit, oh, c'est génial. Écoute, si ça lui va, bah, moi, ça me va. Alors, ensuite, on va continuer encore. Hop, ça aussi, c'est toujours pour mon fils. Et ça, c'est Daffy Duck. On monte toujours le pantalon. Ça, c'est le bas. Vous voyez, avec la rayure bleue. Là, c'est marqué Daffy Duck. Ça, c'est le pantalon et le suite comme ça avec ta fille dessus. Ah, ça, oui, vous devez entendre mon chien qui aboie. C'est limite, les gens ils n'ont pas le droit de passer devant chez moi. Elle supporte pas les gens qui passent devant, ça tout de fou. Voilà, ça. Après, comme je dis, les prix ils sont. Ça va, franchement, c'est pas un truc de ouf, ça coûte cher. Non, non, pas du tout. Ensuite, on continue toujours. Voilà. Un autre ensemble. Celui-là, j'ai bien aimé. Alors, ça, c'est le bas. Vous voyez, c'est moitié rouge, moitié noir. Hop. Et le haut, suite, capuche, vous voyez, et derrière, voilà. Franchement, ils sont beaux, ils sont magnifiques, moi j'aime bien, simple comme ça. Et on a toutes les sortes comme ça, des jogging, que ce soit pour garçons, pour filles, toutes les sortes, toutes les matières, et pour tous les goûts. Allez voir, vous allez être déçu. Et après, je vous mettrai de toute façon les photos pour chaque article. Et j'ai pris une doudoune. J'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé magnifique. Elle est énorme. Ça va la faire sortir. Voilà, la doudoune. Oui, une double capuche. Hop, elle est énorme. Voilà, les manches à l'intérieur, elle est. Ça va l'ouvrir. Elle est comme ça. Vous voyez. Et derrière, bah, on sent. De toute façon, je vous la mettrai en photo quelque part, comme ça vous allez la voir comment c'est prêt. Voilà. Ensuite, je vais continuer. Hop. Alors. On va commencer par ça. Hop. Regardez-moi ça. Comment ils arrivent. Tout ce qui est palette, tout ce qui est maquillage, ils arrivent protégés. Vous voyez? Moi, j'ai enlevé déjà le plastique. Alors, ça, c'est un coffret. Comme ça. Oui.
présente comme ça. Hop, c'est une espèce de règne. Regardez-moi ça. Vous voyez ? Ma petite palette là pour mélanger le maquillage, la matière. Là. Ça en fait, c'est. Elle sert à plusieurs trucs, à multifonctions. Ça soit rouge à lèvres, pour les yeux comme fard à paupières, ou blush. C'est à vous de choisir. Il y en a 6 couleurs. Ensuite, ça, c'est une palette. Ça, c'est un gloss. Et ceux-là, c'est des pinceaux. Vous voyez ? Ouvrir. Voilà. Vous voyez ? C'est des pinceaux. Voilà. Et la palette, je vais vous l'ouvrir parce qu'après, vous allez me dire, ah, on n'a pas vu à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Hop, la palette. Elle est comme ça. Allez. Telle. On l'ouvre. Ressemble à ça. Et voilà. Les couleurs. Voilà. Et en plus, dedans, dans la boîte de la palette, ils vous mettent, si j'arrive à le faire sortir. Ok. Hop. Ils vous mettent un petit truc comme ça, vous voyez, ça, c'est pour mettre votre parfum dedans. Hop. Vous voyez, c'est un petit truc, vous pouvez ouvrir et remplir de parfum. Franchement, c'est super. Moi, j'aime bien. Mettez votre petit flacon comme ça dans le sac avec votre parfum préféré. Voilà. Pas besoin de prendre la grosse bouteille avec vous. C'est génial. Ça, c'est la palette. Je vais vous montrer. Un des petits trucs multifonctions là. Hop. Ils sont trop mignons. Franchement. Regardez, ça se présente comme ça. Comme ça. Vous voyez ? Je les ouvre. Voilà. Vous voyez ? Vous montrez toutes les couleurs si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a de 1 et de 1. Allez, on passe au suivant. Comme ça, on va faire vite. Comme ça, on voit toutes les couleurs. Parce que si je vous montre pas, vous allez dire ah, on n'a pas vu toutes les autres couleurs, ça me tente mais j'ai pas vu. Et la deuxième couleur, vous voyez, de toute façon c'est un coffret, c'est pas vous, vous allez choisir les couleurs, c'est le coffret entier, ça se vend pas par unité. Voilà, et je sais même pas si il est encore en stock, mais je pense qu'il y est, mais après vous et votre chance. Hop. Ça, c'est le troisième. Voilà la couleur. Hop. On va passer. Voilà, voilà. Le quatrième. On va faire vite. Chose. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est la quatrième couleur. Hop. On va à la cinquième, parce qu'il y en a 6. Hop. 6. Elle est bleue. Voilà. Hop. Ensuite, et la dernière, c'est la sixième. Je crois que c'est pink. Voilà, rose. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Voilà, c'est les 6 couleurs. Après, ça à vous de voir. Après, il y a des autres coffrets. Hein. C'est pas le seul coffret qu'il y a. Il y en a plein de coffrets.
Vous pouvez marquer coffret et ça va vous sortir plein de choses. Hein. Voilà, celui-là. On passe à autre chose maintenant. Aussi, j'ai pris ce coffret. J'aime bien, mais je trouve qu'ils sont pas mal. Leurs trucs, ils sont trop beaux en plus. Ils se présentent comme ça, avec un petit truc comme ça. En même temps, une espèce de machin. Voilà. Ça. Alors, il y a le eyeliner. Comme je vous l'ai montré une fois, c'est un côté avec des espèces de trucs qui forment forme de cœur. Et l'autre, c'est un eyeliner. Ces trois-là, c'est des fards à joues liquides. Ces trois-là, c'est des fards à paupières liquides. Ça, c'est un petit... Vous voyez ? C'est une espèce de pinceau en silicone pour ce baume pour les lèvres. En fait, c'est pour réparer les lèvres. Vous voyez? Voilà. C'est tout. Le coffret, c'est ça. Ensuite, on va passer à autre chose. Après, j'ai pris ça, en fait, cette espèce de... On va dire une sacoche, une trousse. Ouais, une grosse trousse. Vous voyez, pour le, quand vous partez en voyage et tout, pour prendre plein de trucs, ah bah franchement, c'est celle-là qu'il m'a fallu pour aller en vacances. Hein. Elle est grande, elle prend plein de choses, mais elle est énorme. Le premier camp, le deuxième, il y a de quoi remplir là. Il y a de quoi remplir, au lieu d'avoir 36 000 trousses, voilà. Yeah. Je crois qu'elle est comme ça ou elle est en blanc. J'aime bien la prendre en blanc, même pas. Voilà, mais elle est transparente. Du coup, on voit ce qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, on va passer ce côté-là, je pense. Hop. J'ai pris un coffret aussi comme ça. Vous voyez, c'est des blushs liquides. Je suis sûre que vous les avez déjà vus sur YouTube, les fanatiques de maquillage. Ils doivent tous avoir un truc comme ça. Franchement, ils sont trop beaux. Vous voyez, il y en a 8. 8. Hein. Franchement, ils sont pas mal. Je ferai des swatchs sur ma main et je les mettrai sur mon Insta. Et je les mettrai aussi sur TikTok aussi, pour celles qui veulent voir à quoi ça ressemble. Je les mettrai sur Insta et TikTok. Voilà. Je ferai les swatchs tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris plein de petites chaussures pour ma fille. J'ai trouvé des jolies chaussures sur le site. Alors, ma petite première, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Vous voyez, un vieux rose avec du blanc. Elle est trop belle. Ah, avec ces petites robes, ça va trop bien. C'est de prendre les couleurs qui manquent en fait pour ces vêtements. J'ai pris une deuxième. Ah, j'en ai pris, je crois, 4 en tout pour ma fille. La deuxième, rouge, qui est touchée de noir. Là, d'en bas, dessous. Voilà, comme ça. Après, j'ai pris une troisième. Celle-là, je crois, toute blanche. Toute blanche. Comme ça. Regardez-moi comme elles sont belles. Je sais pas. Je les trouve trop jolies. Ça, à notre époque, on les... Nos parents, on avait tous des trucs comme ça. Hein. Après, je crois la dernière, elle est noire. Si je me trompe pas. Voilà la dernière, les chaussures, elle est comme ça, vous voyez, pris, tine là, voilà, comme ça. Ensuite, on va continuer. Alors, j'ai pris un bas de jogging pour moi. Vous devez le connaître, c'est des super nanas.
sont où les super nanas? Hop, sont là. Moi, là, c'est un bas jogging qui est super nana. Simple, gris. Après, il y a plusieurs modèles de jogging comme ça, de super nana ou autres. Aussi les schtroumpfs, il y a plein, il y a plein. Voilà, ensuite, j'ai pris des pinces. C'est quoi ça? J'ai pris encore des blancs, des effaceurs. Et j'ai pris ça, je sais pas si vous savez. Je sais pas. En fait, ça, c'est... Je vous l'ai pas encore dit, mais en fait, je fabrique des trucs avec de la résine. Des petites choses. Je sais pas si je peux vous montrer quelque chose. Voilà. Ça, vous voyez, c'est de la résine. C'est moi qui l'a fabriqué. C'est un renard à 9 queues. Vous voyez, il met... En fait, la nuit, il s'illumine ici. Vous voyez là. Voilà, c'est moi qui l'a fabriqué. Je peux vous montrer autre chose. Voilà, ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et je peux fabriquer plein de choses comme ça, comme le cendrier tête de mort. Et ça, la nuit, tout ça, ça s'illumine. Voilà, et j'ai plein de choses. J'ai aussi, vous voyez ça, bah, c'est un échiquier en fait, c'est un grand échiquier. Voilà, que j'ai fabriqué avec tous ces pions et tout. Et ça, en fait, c'est des moules que j'ai pris. Ça, en fait, c'est pour les marque-pages. Du coup, j'en ai pris plein avec leurs petits trucs que je dois mettre à chaque fois que j'ai fini. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur toutes mes fabrications en résine. Et voilà. Alors après, j'ai fait plein de petites choses. Voilà, ça aussi. C'est des marque-pages. Marque-pages avec des petites choses. Voilà, j'ai pris aussi des brosses comme ça. Là encore, je n'ai pas encore des autres, j'ai déjà donné à mes filles, des stylos, oui, forme de clé, j'aime bien, pour décorer, stylo comme ça, voilà. Et j'ai pris aussi des charlottes, oui, c'est quoi? Moi je les prends, c'est quand je fais ma couleur, j'ai pris en rose et j'ai pris aussi en blanc. Et j'ai pris aussi des gants. J'aime bien pour passer les mains. Et j'ai pris aussi un tas de crayons. Oui. Voilà, du tout, n'importe quoi. Il y a du tout, il n'y a rien. Hein. Il y a de tout. Voilà. Et du tout, voilà, ça trouve si mal. Hein. Voilà, des petits trucs comme ça, comme je vous l'ai dit. Pour faire des pages. Aussi des trucs comme ça. Oh. Une petite règle, regardez-moi ça. Des rubans aussi, j'en ai pris plusieurs trucs. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. C'est tout. Si je me trompe pas, oui. Oh. Ah oui, il y a encore des pinces ici, voilà. Pour les cheveux, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Alors je vais vous dire, prenez soin de vous et de vos familles, et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien surtout, et faites pas trop de folie, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ceux qui c'est pas encore fait. C'est gratuit, ça vous engage à rien. Et pour ceux qui c'est déjà fait, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas les commentaires s'il y a quoi que ce soit. Ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale
sur mes passe-temps, la résine ou avec ma machine pour créer des personnaliser des choses. Vous me dites, vous faites ça, une vidéo spéciale que de ça. Et si vous voulez, bah, écrivez-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai au plus vite. Et je vous dis à bientôt et ciao ciao!